Ok, salut à tous et à toutes, c'est moi Mathias83 et je me retrouve sur Just Cause 3. Et dans cette vidéo, nous allons faire la prochaine mission. Alors, comment elle s'appelle? Ouais. Résumé mission, déplacement rapide. Suite aux terribles pertes essuyées lors du massacre de Diravelo, de Costa del Porto, Rico et ses alliés se regroupent à la planque des rebelles dans la province éloignée de Soros. Là, Mario et Dima l'attendent pour mettre au point un nouveau plan d'attaque. Mais j'ai remarqué plusieurs trucs. Il y a une. Deux. Et trois missions. Donc je vais tout simplement faire ça là, parce que c'est la plus... Enfin, c'est pas la plus proche. En tout cas, c'est la plus proche dans l'histoire. Donc là, j'ai pris un avion de chasse, voyons, c'est le véhicule le plus rapide du jeu, enfin sûrement un des plus rapides. Et il nous reste environ 20 secondes. Non, un peu plus que 20 secondes. En tout cas, on arrive au lieu. Ah non, c'est pas Boom Island. Boom Island, c'est tellement loin. Bon, comparé à la map, regardez. La map, Dirk. Dire qu'au début, je pensais que tout ça, c'était la map. Mais en fait, il y a tout ça. Regardez. Tout ça. Tout ça, c'est la map. Et ça, j'ai jamais vu. Ça, j'ai jamais vu le volcan pareil. Boom Island, j'y suis jamais retourné. Ah, c'est bon. Désolé pour l'avion, pour celui qui l'a fait. Bon, c'est pas une perte. Ah. Ah, voilà le charisme incarné. C'est bon, on a commencé la mission. Quand on n'a jamais dit qu'on discuterait de ça, Sheldon. Ouais. Eh ben maintenant, c'est l'heure d'en discuter, Mario. Je suis désolé, fiston. Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vois que t'as trouvé les rebelles, Sheldon. Bah, tu sais, mon pilote Crashy dit qu'on doit tous participer. Et tu me connais, je suis philanthrope de l'année. Comme tous les ans. C'est ça. Et c'est vrai. Justement, je viens de signer un deal avec les rebelles, tu vois. Tu les sauves, ils m'aident, et moi je t'aide à aller d'un point à l'autre. Hein? Merci, Kim. Merci. Mais de rien, gamin. Ça me fait plaisir. Donc là, je dois sûrement parler à Mario pour dire ce qui va pas. Qu'est-ce que c'est que cette embrouille avec Sheldon? C'était lui, la radio. En fait, il nous en a donné à tous, comme si c'était des cadeaux. Tu m'as menti. Il a vu nos faiblesses. C'est notre évolution, mais... il nous tient. Mario... je connais Tom Sheldon. C'est un ancien collègue, mais toi, t'es mon ami. Il faut que tu me dises la vérité. Je suis désolé. Vraiment désolé de t'avoir mêlé à ça. Je t'en veux pas. Oh. Ça doit faire mal. N'oublie jamais de te protéger, mon ami. Ah, amusant. De l'eau. Viens. Mon portable n'est pas assuré. D'un entrepôt de Bavarium. C'est là qu'on stocke le minerai. En le détruisant, on frappe là où ça fait mal. Je vais aller voir. De grandes choses s'annoncent.
La probabilité d'une mort atroce est extrêmement élevée. Hey. Pour toi, 100 ans, Diravelo est maintenant l'homme le plus dangereux de la planète. Il me faut mon scanner à Bavarium. Trouve mon contact à Vigilator Nord. Donc je dois aller où là? Je crois que son bateau est coincé. Tu peux l'aider? Vigilator Nord, c'est où? Ah, il y a un bateau échoué. Où est-ce qu'il est? Bien, mon frère. Est-ce qu'il y a de nouvelles armes? Enfin, d'autres armes. Ah non, des lance-roquettes. C'est mieux l'arme que j'ai, regardez. En fait, c'est une grosse roquette. Oh, facile. Nico, la mer est en colère aujourd'hui. Tu peux nous aider en remettant notre bateau à l'eau? Merci, Rico. Je vous dirai jamais ça. Sélectionnez Mania. Ah, je dois aller à Mania. Le déplacement rapide vous permet de rejoindre les défis et des zones habitées. Un déplacement coûte une fusée. Allez à Mania maintenant. Ok. Donc, tout simplement, ça veut dire que j'ai un déplacement rapide. C'est super génial. Voilà, on est sur un hélico et ouh, Skyfall. Qu'est-ce qui se déjà, mission réussite avec des amis pareils. Déplacement rapide débloqué. Vous pouvez désormais rejoindre rapidement une zone habitée ou un défi. Et je dois faire quoi maintenant? Ah. C'est quoi? Dima découvert. Ouais, je pense que c'est ça la mission, conflit d'intérêts. Et qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire à Mania? C'est juste le but de la mission. Donc moi je pense que la prochaine mission c'est conflit d'intérêts. Donc parce que là on... Alors je peux me déplacer rapidement ici. Il y a des fusées. C'est-à-dire que c'est pas infini, je peux pas me faire le tour de la map rapidement. Mais c'est pratique. C'est mieux que rien, il y a des jeux où on... où il n'y a pas voyage rapide. Et c'est pratique puisque la map est tellement grande. Où est-ce oula. Donc on se rend là. C'est bon. On démarre la mission. Ah. Hey, toi, Luch? Ça dépend. Qui le demande? Dima m'envoie. Oh, alors c'est moi.
Frigilator Nord, c'est sur la rive d'en face. Mmh. Cherche le scanner de Dimas, c'est ça? Oui. Dommage. C'est une aiguille dans une énorme botte de foie. Bonne chance. T'en auras besoin. Merci, Luch. Hey! Je dis les choses comme elles sont, moi, hein? C'est où, Vigit? Ah, c'est là! Ah, mais j'ai déjà libéré la base, donc ça va être tranquille. Où est-ce qu'il est? C'est embêtant quand on le perd. Ouh, tu vas faire mal au fait. Tous les conteneurs de stockage dans la base. Oh, tout ce qu'il y a, regardez ça. Bon, il y en a un à 100 mètres. Je pense que je dois faire ça. Ouais, voilà. Y a rien là-dedans. Ok, donc c'est pas celui-là. Allez. Pas là non plus. Ça, je me prends des cartons. Scanner. Non, mais où est-ce qu'il peut être? Ah, oh, je suis touché, barbelé. Oh, c'est quoi ça? Je pensais que c'est ça. Non, c'est pas ça. Je crois que c'est ça. Ouais. J'ai trouvé. Chima. Faut que tu places le scanner sur l'une des trois grilles à Chimaleon. Il repérera n'importe quelle trace de Bavarian Bravi. Chimaleon. Hey. Ça c'est loin. Attends, est-ce que je peux commander livraison rebelle? Ouais, un hélico. Oh non, ah je peux pas. Oh non. Oh, je devrais aller à pied alors. Hein. D'après ce que je vois, le scanner est instable. Il est peut-être abîmé. Ça peut exploser. Il va vraiment falloir qu'on discute de tes inventions, Dima. Ah, ça va, j'ai 5 minutes. Non. Ouais. Rico, j'ai besoin de ce scanner, mon pote. Si on contrôle le Bavarium, on contrôle Medici. Et puis tu sais qu'avec ce scanner, je pourrais certainement convaincre l'agent et un peu plus les rebelles. Voir ce que je peux faire, Sheldon. Ouais, je pense que je pourrais y aller. Les soldats approchent, Rico. Je vais m'occuper de lui. Oh. Non, j'ai pas envie.
Oh oh, oula. Je vais pas passer par là. Je dois en profiter pour un peu casser. Voilà. Ok, j'y suis. Place le scanner sur la crise près du silhouette. Si on détecte le bavarium gravité, c'est que Tiravello a déjà mis en point le bavarium militaire. Attendez, où est-ce que je dois aller? Ah, ok. Ça y est, j'y suis. Où est-ce qu'il est, Sheldon? Ah, ça va. C'est bon, Sheldon. J'ai le scanner. T'es où? Bien joué, Rico. Je savais que je pouvais compter sur toi. Hey, viens, on va fêter ça au café Francesco. Il paraît qu'ils font des muffins à tomber par terre là-bas. Hein? Ça tombe. Ah, mais je dois traverser le lac. C'est bon, on y est. Mais qui voilà, Sheldon. Je ne doute pas un seul instant que tu veux créer un monde stable et empli d'amour. Tiens, voilà ton scanner. Merci bien. Et merci d'être passé. Ah ! Conflit d'intérêts. Il avait pas l'air très content, le Sheldon. En tout cas, la vidéo touche à sa fin. J'espère que vous avez apprécié. Nous allons poursuivre la carrière de Just Cause 3. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour qu'on puisse se retrouver dans la prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde.